retrouve pour une vidéo spéciale Leclerc. Comme vous savez, j'ai été élue ambassadrice de mon magasin Leclerc à Bourgoin-Jallieu dans l'Isère. Et j'ai reçu quelques produits, même beaucoup de produits. Donc toutes les semaines pratiquement, on a eu un colis. Donc en fait, ça se présentait comme la vidéo que je vous ai faite pour le haut Leclerc en fait, et qui c'est la vidéo qui parlait du concours. Donc en fait, on a reçu des pochons comme ça. Donc là, on en a eu 3 autres. Donc c'est juste trop bien. C'était Noël toutes les semaines. Donc on a eu beaucoup de produits. Alors tous les produits que je vais vous présenter étaient dans la promo Leclerc. Ce que je ferai pour chaque produit, si vous le voulez, je mettrai par ici par exemple, oui par ici ça me paraît bien, je vous mettrai le prix du produit parce que j'ai gardé le catalogue des promos. Donc je vous promets pas qu'ils seront toujours à ce prix là, mais ce sera le prix qui était indiqué dans le catalogue des promos pour que vous vous rendiez un petit peu compte du truc. Donc, je les prends au hasard parce que, voilà. Donc, le premier pochon. Donc, d'ailleurs, petite aparenté, j'adore ces pochons. Vous savez, c'est un peu les pochons qu'on prend pour aller au sport, où on met une serviette, une paire de baskets. Et du coup, c'est trop bien parce que j'en ai 4 comme ça. Et vraiment, ça va être super sympa. Alors, c'est parti. Donc, le premier pochon. Se composait de la lotion tonique apaisante Diadermine que j'utilise en ce moment. Donc c'est dans ma routine le soin du visage. Donc pas mal des produits que je vais vous présenter font partie de ma nouvelle routine soin du visage. C'est une vidéo que je vous ferai à part entière. C'est pour ça que je ne vais pas m'éterniser vraiment sur les produits aujourd'hui. Je vous ferai vraiment une revue spéciale pour cela. Donc une lotion tonique apaisante, donc elle a provitamine B5, donc elle finalise le maquillage, rafraîchit et apaise la peau, qui est fait pour les peaux sèches et sensibles. Donc elle a un très bon résultat, pour l'instant j'en suis très satisfaite. Ensuite, nous avons eu, parce qu'on n'a pas eu les mêmes lots, le lait fermeté hydratant à l'huile de sésame, thé vert et anis étoilé du petit Marseillais, donc c'est un format 450 ml. Qui est assez énorme. Alors celui-là, je l'utilise de temps en temps, mais j'en ai un autre que je vous ferai voir qui est dans un autre des sacs. Donc je vais essayer de les faire un par un parce que sinon je vais me perdre un petit peu. Donc voilà, je vous dirai bientôt ce que j'en pense. Et puis voilà, sinon la contenance est juste dingue quoi. Sachant que on a eu que des full size, on a vraiment eu que des produits qu'on peut avoir en supermarché et voilà quoi. Ensuite j'ai eu le Scandalize Rocking Curl dont je suis red dingue. Donc c'est vite vu, enfin vous verrez, je les ai pratiquement tous eus et ça fait vraiment partie de ma nouvelle routine maquillage, enfin je ne peux pas m'en passer, c'est ma nouvelle addiction, je les ai tous et vraiment j'en suis ultra satisfaite. Pareil, une revue viendra bientôt sur les Scandalize. Ensuite, j'ai eu donc la sérum de Sublimiste L'Oréal, comme ceci. Donc je sais pas si on peut voir mais j'ai déjà pas mal descendu. Donc il fait aussi partie de ma nouvelle routine teint. Routine soin du visage pardon. Donc c'est un super sérum correcteur peau parfaite. Je m'étale pas trop dessus, je vous ferai vraiment une vidéo complète sur ces produits là sur lesquels j'en suis très satisfaite. Et ensuite pour finir, j'ai eu donc un L'Oréal, un vernis à ongles. Donc c'est celui-là. C'est un color riche, c'est le 101 Opéra Ballerina. Alors franchement j'en suis pas super contente parce que déjà il en faut vraiment beaucoup. Et je trouve que il laisse des traces et moi je l'ai vraiment pas trouvé terrible. Donc voilà. Voilà pour le premier sachet. Voilà, je range au fur et à mesure, hein. Je suis pas bordélique pour une fois. Voilà. Ensuite, le deuxième. Donc pareil, hein, toujours dans la même pochette. Donc ça, c'est le dernier que j'ai reçu. Donc,
Pour commencer, on a pareil un Scandalize, donc c'est le Lycra Flex, donc que je porte aujourd'hui en duo avec le Rocking Curl, le Retro Glam, pareil de Scandalize. Voilà, qui est super aussi. Une revue viendra bientôt. Ensuite, j'ai eu de Diadermine numéro 110, la gelée de beauté. C'est une gelée démaquillante haute performance. Nettoie, apaise, adoucit, visage et yeux non gras. Donc, il est au 110 gouttes d'huile nourrissante, peau sèche et sensible. Je n'ai pas encore eu le temps de le tester, mais je pense que bientôt une revue viendra également sur mes routines démaquillage. Si ça vous tente, n'hésitez pas à le laisser des commentaires et de me dire si vraiment des revues démaquillage, routines soins, etc. vous intéressent pour de nouvelles vidéos. Donc voilà, pour celui-là de produit. Ensuite, j'ai eu le Cellular Anti-Âge Stimulateur de Jeunesse Soin Contour de l'œil. Donc, lisse instantanément les ridules et contours de l'œil, améliore la fermeté. Acide hyaluronique et extrait de Malioléa de Nivea. Donc, il est comme ça. Donc, pareil, j'ai encore pas eu le temps de le tester. Il faudrait que je l'inclue dans ma routine du moment. Donc, il se présente comme ça. J'ai même pas vu comment l'embout il était. Ouais, c'est un petit embout comme ceci. Voilà. Donc je pense que je vais l'inclure dans ma routine parce qu'en ce moment j'ai une très bonne routine et je m'y tiens. Et ensuite, pour finir, j'ai eu le Sublime Bronze Mousse Teintée Auto-Bronzante. Éclat instantané, aldoré longue durée, tout type de peau, corps, de L'Oréal. Donc c'est une petite chose qui me fait extrêmement peur. Je vais l'essayer sur mes jambes avant qu'il fasse vraiment trop beau. J'ai vraiment envie de tester, j'ai jamais testé d'auto-bronzant, mais j'ai entendu beaucoup de bien de cette petite chose, donc je pense qu'une revue viendra bientôt. Une revue test, pourquoi pas une revue test en direct, puisque apparemment il fait en direct, l'éclat est instantané, donc j'ai un peu peur de l'effet orange carotte, donc bah pour ça je le ferai sur des zones que je n'expose pas pour le moment. Alors et ben voilà, c'était tout, c'était pour ce dernier produit. Non, il y en a encore un autre. C'est un vernis à ongles, le Rimmel 60 secondes, donc le 230 Portfolio Pink. C'est celui que je porte actuellement sur les ongles. Alors ces vernis sont juste dinguissimes. Ils ont une superbe couvrance, une couche en principe suffit. Moi je suis une dingue, j'aime bien en mettre deux. Ils ont une tenue, celui-là ça fait 2 semaines que je l'ai sur les ongles et il n'a pas bougé d'un pet. Donc pour vous dire à quel point j'en suis satisfaite. Donc j'espère vraiment pouvoir en retrouver dans mon magasin Leclerc parce que je pense que je vais en racheter. Donc voilà pour le deuxième petit colis. Hein. Enfin petit... voilà. Et pour finir, donc le troisième, je ne vous remets pas le quatrième parce que je vous renverrai en barre d'infos la vidéo de mon premier colis si vous ne l'avez pas vu. Donc pour le dernier, j'ai eu donc toujours donc chez le Petit Marseillais un lait hydratant peau très sèche au karité, huile d'amande douce et huile d'argan. Donc pareil, un format 450 ml. C'est celui-là que j'utilise en ce moment après la douche. Il sent très très bon, il laisse la peau relativement douce. Je reviendrai là-dessus parce que j'ai pas encore assez de recul, il faudrait vraiment que je m'en mette tous les jours. Là je m'en mets juste après la douche et après j'y pense pas forcément. Enfin voilà, j'ai pas assez de recul mais pour l'instant, enfin après la douche, il hydrate très bien. Voilà pour celui-là. Ensuite, plouf plouf, un lait démaquillant hydratant de chez Diadermine. À la provitamine B5, démaquillant en douceur, hydrate et apaise, yeux et visage, peau sèche et sensible. Je n'ai pas encore eu le temps de le tester également. Je pense que, comme je vous l'ai déjà dit, je ferai bientôt une revue spéciale démaquillage où je les testerai tous et je vous dirai un peu lequel je préfère et lequel est plus pratique dans quelles circonstances et pour quel make-up, etc. Ensuite, j'ai eu donc le Revitalift Blur de L'Oréal. Ce produit est juste magique. J'en suis plus que satisfaite. D'ailleurs,
On peut le voir, il est bien entamé. J'en mets matin et soir. Je vous ferai donc cette fameuse revue dont je parle tant. Et vraiment, il est trop bien. Il est cher et je suis très contente de l'avoir eu en cadeau pour pouvoir l'utiliser. Sinon, c'est un produit vers lequel je ne serais jamais allée vu le prix. Voilà. Ensuite, il me reste que deux produits. Donc le premier, c'est encore un mascara, donc l'Audacieux de Sobioéthic. Je n'ai pas encore eu le temps de le tester, cela viendra bientôt dans tous mes favoris mascara, parce que je pense vraiment que je vais faire un favori mascara avec pas mal de vidéos, tout ça. Donc celui-là m'a l'air, ma foi, très bien. Il a une une brosse qui est incurvé et qui a l'air vraiment très bien, donc il faut vraiment que je me mette à le tester celui-là aussi. Et pour finir, aussi un de mes chouchous, un color show de chez Maybelline. Donc celui-là, c'est le Power Red. Donc c'est pareil, il a une tenue de malade, il a une couleur et une pigmentation dingue. Vraiment, j'en suis mais ultra contente. Ça fait partie de mes chouchous du moment au niveau vernis. Donc voilà, donc ça y est, j'ai tout rangé. J'ai été organisée pour une fois et non bordélique. Donc voilà, c'était pour mes produits Leclerc. Voilà tout ce que j'ai reçu. Si je reçois d'autres colis, je vous ferai des vidéos, bien entendu. En ce qui concerne le concours, comme vous le savez, il est terminé. Malheureusement, je ne fais pas partie des 16. Je n'ai pas eu assez de votes, mais je remercie vraiment du fond du cœur tous ceux et celles qui ont voté pour moi et qui ont mis du cœur à l'ouvrage pour que je puisse gagner, même si ce n'est pas le cas. Vraiment, c'était une fantastique aventure humaine. J'ai rencontré plein de nouvelles youtubeuses et vraiment, ça me fait très plaisir. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos de mon premier colis Leclerc pour celles qui ne l'avaient pas vu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Et évidemment, vous abonner à ma chaîne YouTube pour que vous puissiez être informé de l'arrivée de mes nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !